Bonjour à tous. Au Soudan du Sud, face aux multiples inondations liées à la crise sanitaire, à la crise climatique, une nouvelle ressource énergétique est vite trouvée. Il s'agit de la jacinthe d'eau. Cette plante, connue autrefois pour ses effets néfastes sur la flore aquatique et sur la vie humaine, devient une nouvelle source de combustible durable et accessible. Elle est devenue aujourd'hui un élément naturel dans le processus de fabrication du charbon au Soudan du Sud. Les nombreuses inondations ont détruit la forêt qui était la source du charbon de bois que nous avions l'habitude d'utiliser. Le charbon de jacinthe d'eau est aujourd'hui une bien meilleure option. Le prix du charbon ayant doublé dans cette région, la jacinthe d'eau est une aubaine pour cette population déjà éprouvée par des difficultés à se procurer des produits de première nécessité. Plus de 300 personnes, principalement les femmes, participent à la production du charbon grâce à la jacinthe d'eau et encouragent leur adoption au sein de toute la communauté soudanaise. DBM. Avec cette formation, le DBM peut faire le travail, tenez-vous bien, de 10 personnes, avec comme avantage l'efficacité et l'efficience. DBM. Réussir l'instant. Réussir l'instant. DBM. Réussir l'instant. DBM, réussir l'instant, instinct leader.